Bonsoir tout le monde, c'est encore serviteur José Jean-François qui tournait avec belle série vidéo que nous remet en pile sur le sujet médical. Des sujets que très souvent nous on a posé peut-être nos questions à propos de eux que nous n'avons jamais voulu comprendre. Alors nous là, nous tournons pour nous capables de continuer à expliquer où, tout ça qui a rapport avec le sujet médical. Nous avons tout profité de l'occasion pour nous excuser et follow du fait que nous avons fait tout le temps ça, nous n'avons jamais joué une nouvelle vidéo. Alors nous là, nous espérons que l'expérience là la continue bénéfique, ni pour moi, ni pour nous. Sujet aujourd'hui, c'est cycle menstruel. Cycle menstruel, c'est un sujet qui concerne directement mesdames, mais tout qui concerne monsieur autour. Parce que lorsque l'information est bien assimilée et par fille et par garçon, décision yo prend plus facilement. Lorsqu'on bien comprend qui ça qui cycle menstruel là, le ça ou vient gagner plus pouvoir de décision sous question fait petite ou pas. Et puis ça vient aider au connaît qui ça qui normal, qui ça qui anormal. Chaque mois, quand une fille qui j'en ai connu qui formée déjà, qui donc quitté ou première règle déjà, chaque mois quand fille ça a préparé pour une éventuelle grossesse. Et cycle menstruel là, il fait partie de préparation ça. Le fait que j'aime se dire là, ou bien maîtriser ce sujet ça qui c'est cycle menstruel, l'aide au connaît qui l'a ovulé, qui l'a pas ovulé, qui l'a une chance pour tomber enceinte et tout signe avec symptômes qui est capable d'indiquer que signe cycle menstruel ou a déroulé de façon anormale. Qu'est-ce qui est menstruation? Faut me dire que menstruation avec règle, c'est deux mots qui sont synonymes. Ça veut dire, il veut dire même bagaille. Si vous voulez dire menstruation, ou capable de dire règle. Une fille qui est formée déjà, qui a quitté la première règle déjà, qui est consciente qu'elle est formée, normalement, elle a constaté qu'elle a gagné des saignements menstruels une fois par mois. Saignement, ça, à qui ça est dû? Il est dû à couche interne utérus, là, que nous avons matrice en créole là, chaque mois, il épaissit. Ça veut dire qu'il vient augmenter en épaisseur. Et puis, il vient gagner plus de vaisseaux sanguins en vue pour le capable préparer à une éventuelle grossesse. Si toutefois, fille n'a pas tombé enceinte, couche interne ça qui te vient épaissir, il considère que place n'est pas encore, donc il doit évacuer. Et façon pour l'évacuer, c'est par des saignements. Saignements, ça, que nous avons les règles là, il dure normalement entre 3 à 8 jours. Et la caille, majorité filles, saignement ça, yo kon rive dans date qui régulier et qui généralement prévisible. Le conseil au dimanche, un cycle qui régulier. Mais comme ça tout, qu'on gagne des cycles qui irréguliers, c'est-à-dire régulier pas venir dans date que normalement yo ta dû venir. N'ap parler sur ça puis devant. Normalement, lorsque on règle on fait venir, par exemple s'il venir jeudi à distance entre jeudi avec prochain règle qui vient après, début ou du moins ce premier jour prochain qui vient après, normalement, distance ça va durer entre 20, 21 à 35 jours. C'est-à-dire que cycle, on fait qu'à varier entre 21 à 35 jours. On fait capable de régler chaque 21 jours, comme ça, tout capable de régler chaque 35 jours. Mais majorité fille, on régler chaque 28 jours. C'est sûr que nous on a posé peut-être nos questions, on a dit comment le cycle menstruel a lui-même fonctionné. Qui ça qui régit le fonctionnement du cycle menstruel là? Comment il fait précis comme ça? Qui ça qui est capable d'expliquer le fait qu'il est régulier ou pas? Qu'est-ce que nous que le cycle menstruel là est contrôlé par un enchaînement complexe de hormones qui sont sécrétées par trois structures. Premièrement, par ovaire fille. Et puis deuxièmement, par deux structures qui sont situées au niveau du cerveau fille, qui c'est hypophyse avec hypothalamus. Donc, c'est enchaînement de sécrétion d'hormones, trois structures ça, qui va bailler règles que nous gagnons chaque mois. Kitemba, nous, on a aperçu général de ça, nous, les cycles menstruels là, on a aperçu qui plus ou moins détaillé. Cycle menstruel là, il est constitué de plusieurs phases. Et phases ça, j'ai manifesté les différents de on fille à on l'autre et ils sont capables de varier au fil du temps. Nous allons regarder 5 premiers jours réguliers, qui donc jour 1 à jour 5. Lorsque la règle a fait venir, dans le jour que le venir, nous considérons le jour ça comme le premier jour du cycle menstruel. Premier jour que la règle apparaît là, nous considérons le jour ça comme le premier jour du cycle menstruel. Normalement, j'aime ce dit tout à l'heure, la règle
sont capables de durer entre 3 à 8 jours. Mais la majorité fille, c'est 5 jours. Après 5 jours, normalement, seulement tu as dû camper. Mais ça peut arriver que y aller au-delà de 5 jours, soit 6, 7 jusqu'à 8 jours. Normalement, saignement ça qui constitue la règle, les plus abondant, qui donc les coule plus, les vide plus, jamais d'amis qu'on a dit, pendant 2 premiers jours. Et c'est dans 2 premiers jours ça, que nous avons plus de fait mal, nous avons plus de tête fait mal, nous avons qui ont vomi, nous inconfortable. Donc, son expérience que d'après témoignage plusieurs filles, qui pas agréable du tout. Et donc, 2 premiers jours, généralement, ça arrive qu'il y a les plus, mais généralement, c'est 2 premiers jours qui font plus inconfortable dans les affaires règles ça. Donc, non seulement règle a venu plus, il vient de manière abondante, et limite les filles en situation d'inconfort. Entre jour 6 avec 14e jour, cycle menstruel là, nous sommes jour 1 à jour 5, on va le jour 6 à jour 14. Entre jour 6 et jour 14, cycle menstruel là, normalement, saignement au tadoué fini. Ok? Ça c'est si que et en fia réglé durer 5 jours. Ok? Voilà, saignement tadoué fini. Une fois que saignement fini, endomètre là, qui c'est couche interne, utérus là, ça nous est les matrices en créole là. Il recommence le processus là pour préparer la tête à une éventuelle grossesse encore. Il tourne épais encore, il a plus de vaisseaux sanguins qui gorgent de sang avec nutriments pour préparer à une éventuelle grossesse. Qui donc son cycle qui pas fini tout le temps, pas atteindre ménopause. Une fois le fini, l'endomètre là recommence préparer encore. Et dans un mois encore, ou du moins dans 22, 23, 25, 28 jours encore, ça dépend de la longueur du cycle. Rego après retourner venir encore parce que l'endomètre là travaille, c'est préparer pour une éventuelle grossesse. Quitte grossesse là venir, quitte grossesse là pas venir, là continuer préparer. Donc mesdames, nous aurions pour nous, tout le temps nous pas atteindre ménopause, nous pas suspendre les règles. Pendant que moun, lorsque les règles viennent, ils ont des douleurs, ils sont inconfortables, ils n'ont pas qu'à manger, ils n'ont pas qu'à dormir, il y a vomi des fois, ils n'ont pas content du tout ces périodes que vous préparez. Mais dans moi, alors que les moun, lorsque les règles viennent, c'est content, ils sont content, c'est fait, ils ont fait. Par contre, pour qui ça, alors, Nadim, pour qui ça, dans le commentaire, ils sont toujours contents malgré qu'il y a des douleurs qui viennent, mais ils sont contents quand même. Quand nous parlons entre 14e à 25e jour. Pendant la période ça, c'est autour de la période ça que l'ovaire yo libéré yon ovule. Et à ce moment-là, ovule là, li aller dans la trompe de Fallope là. Si toutefois, il y a un spermatozoïde dans la trompe de Fallope là, à ce moment-là, il y a une fécondation qui est faite. Et lorsque la fécondation ça a fini faite, donc on a que rencontre spermatozoïde avec ovule, il y a sa zygote ou bien œuf fécondé, ça tout le monde qui fait biologie, qui était bien maîtrisé, il y a toujours à apprendre ça, il y a toujours à dire ça. Alors à ce moment, il a commencé le voyage tubéralise, c'est-à-dire qu'il a voyagé dans le tube. Dans le tube là ou bien dans la trompe de Fallope là pour la tenter implanter dans paroi utérus là ou du moins paroi matrice là. C'est pour raison ça que paroi l'était fait plusieurs jours à préparer les vins plus gros, les vins plus épais, les vins gain plus de vaisseaux sanguins, les vins gain plus de nutriments. C'est pour si toutefois il y a une fécondation qui est faite lorsqu'il vient implanter pour qu'il ait assez de nutriments pour être capable de développer. Ok? À ce moment-là, zygote là, il va tenter implanter dans paroi utérus là. Ça c'est entre 14e et 25e jour, qu'on a maintenant entre 25 à 28e jour, si toutefois pas de fécondation ou bien tout implantation pas arrivé faite, à ce moment-là, utérus là que nous les matrices là, il va à travers des signaux hormonaux, c'est-à-dire à travers des hormones, pral recevoir commande pour lui évacuer paroi ça qui pratiquement pas utile rien parce que délai pour te recevoir un zygote là il passé. À ce moment-là, ovule là ou bien zygote là qui pas arrivé implanté à ou du moins ovule là qui pas arrivé fécondé à, il a détérioré et il a éliminé en même temps avec paroi utérus là. Et nous connaissons que sous seule forme que yo éliminé c'est sous la forme des règles. Et depuis qu'il y a une règle, donc nous avons un nouveau cycle qui commence et l'utérus après recommencer à préparer encore, ainsi de suite, jusqu'à ce que la fille arrive à tomber enceinte, ou du moins jusqu'à ce que
fille a atteint ménopause li. Femme dit notre que capable gain fécondation mais pas gain grossesse. OK? Fécondation c'est lorsque spermatozoïde là les rencontrer avec ovule là. Même si gain fécondation, ça qu'arrivé que fille a lui-même n'est pas tombée enceinte. OK? Fille a pral tomber enceinte, ça va dépendre de implantation. Lorsque zygote là lui-même là le tenter implanter dans paroi utérus ça c'est toutefois il pas arrivé implanté à ce moment-là, fille va tomber enceinte. Le ça, utérus là a considéré faire ça comme absence de grossesse et à ce moment-là, l'a détérioré donc paroi l'a dégradé et l'a tombé sous forme de règles. Et depuis le premier jour, règle a commencé à donc nous en présence de un nouveau cycle qui donc du premier jour du nouveau cycle. Nous avons là vous connaissez, je pense à partir de toutes ces explications ça que monsieur Banoa, nous avons une idée qui est plus ou moins claire de qui ça qui cycle menstruel là. Dans la prochaine sortie nous, soit demain si Dieu veut, qui donc dans jouer regarder vidéo ça qui donc dans demain, on va joindre en deuxième partie qui va continuer expliquer en détail qui ça qui cycle menstruel là, qui joue ou à ovuler, qui moyen qui va permettre ou reconnaître que ou ovuler etc etc tout détail qui est capable très intéressant pour nous en façon pour nous éviter de tomber enceinte sans que nous pas appeler ou du moins pour nous capable prendre qui le pour nous faire bagaille pour nous capable tomber enceinte si toutefois nous besoin de monde n'a pour ouais dans une autre vidéo et me content avec nous ciao.